Mes amis Gémeaux, comme on se retrouve aujourd'hui pour vos prédictions de cette année 2024. On va voir un petit peu à travers ce tirage inédit 2024 quels sont les messages qui vous sont destinés hein, pour cette année. Pour cela, nous allons utiliser quatre jeux. Donc avant de faire le détail de ces quatre jeux, bien entendu, on garde à l'esprit, chers amis, qu'on est sur une lecture YouTube, que les lectures YouTube sont générales, qu'elles ne s'appliquent pas à tout le monde de manière singulière. Donc si vous souhaitez savoir ce qu'il en est de votre situation à vous et vous seul, vous m'écrivez par mail pour une guidance plus personnalisée. Pour cela, mon adresse se situe sous la vidéo, vous m'envoyez votre prénom et date de naissance à l'adresse indiquée. On va commencer de suite donc en utilisant quatre jeux. Premier jeu, l'oracle bleu, mon préféré de tous. Je trouve que les dessins de cet oracle sont magnifiques, les graphismes. Deuxième jeu, bien entendu, l'oracle G, le plus présent sur ma chaîne, bien entendu. On tirera également une carte au niveau sentimental Love. Pour avoir une carte conseil, un message conseil sur le déroulé de votre année 2024. Et on terminera par la réponse à une question que vous vous posez. Donc je vous invite à réfléchir d'ores et déjà à cette question. On aura la réponse à la fin de cette guidance. C'est parti mes amis Gémeaux, on démarre de suite pour vous. Allez, 2024. Année 2024, quel message pour les Gémeaux? Signe solaire, lunaire, ascendant du zodiaque. Année 2024, quel message pour les Gémeaux? Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire du zodiaque. Année 2024, quel message pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire du zodiaque. Gémeaux, année 2024, on est bon. Allez, c'est parti. Alors, j'espère que vous voyez bien. Hop, on va se mettre comme ça. Hop. Et hop. Alors, on nous dit quoi? Voyons voir. Bon, ici, il y a des grandes décisions dans cette année 2024 par rapport au fait de changer quelque chose vis-à-vis de votre lieu de vie, de votre maison, de votre foyer, de votre stabilité matérielle, hein, au sens large. Il y a cette idée potentiellement de se détacher d'une stabilité pour aller construire ailleurs différemment. L'idée ici, c'est de déconstruire pour reconstruire. D'accord. Il y a peut-être par rapport à ça une indécision, d'accord, dans laquelle vous allez être ou dans laquelle vous êtes peut-être même déjà en 2023. Une indécision par rapport au fait de laisser tomber quelque chose, de mettre ce quelque chose à la poubelle. Regardez cette femme, elle tient entre ses mains, entre ses bras, un torse ensanglanté. Comme si elle ne voulait plus de ce torse ensanglanté, elle ne voulait plus de souffrance et elle s'apprête à jeter ce torse loin d'elle. Et elle, si vous regardez bien son torse à elle, bah, il est propre, il n'y a aucune tache de sang, comme si elle s'était renouvelée, comme si tout à coup on prenait la décision de penser à soi, de s'occuper de soi et de ne plus accepter quelque situation que ce soit qui soit source de souffrance. On a ce personnage qui décide en fait de se révolter. Hein. C'est pas pour rien que cette carte s'appelle la révolution. Cette personne tout à coup bah, décide en fait que ce qu'elle a vécu auparavant, bah, ça fait partie de son histoire, ça fait partie de son passé, ok, mais ça ne la définit plus désormais. Elle décide en fait de se détacher, cette personne, de ce à quoi on l'a identifié, de ce à qui elle a été identifiée. Pour moi, cette personne, pendant un moment, a pensé qu'elle était ses traumatismes, a pensé qu'elle était ses blessures, a pensé qu'elle était sa souffrance et stagné là-dedans. Là, il y a comme une sorte de réveil, en fait, chez cette personne qui décide mettre cette souffrance au loin et de détacher l'affect de sa propre personne, d'accord? Donc ici, il y a une séparation d'émotions
négative. D'ailleurs, on le voit ici avec cette carte de la séparation. Il y a pour moi cette idée enfin de se faire passer au premier plan soi, de se chouchouter soi, de prendre conscience de sa valeur en fait. Comme si jusqu'à présent, amis Gémeaux, vous aviez compris ou vous aviez une telle connaissance de vous-même, un tel respect de vous-même que peut-être vous acceptiez des situations bancales, que vous acceptiez qu'on vous traite mal, que vous acceptiez un certain manque de respect, ouais c'est ça. Et là en fait on a cette personne qui se dit bon non ça suffit, moi c'est je mérite mieux, je n'ai pas à subir ça, 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 donc il y a une forme de révolte en fait, il y a une forme de révolte et cette révolte, ce comportement révolutionnaire, Il engendre en fait des détachements, des départs durant cette année 2024. Alors ici, globalement, on nous parle d'un lieu de vie, on nous parle peut-être de conditions de vie avec quelqu'un si vous vivez en couple, on nous parle d'une certaine matérialisation. Il y a cette idée alors d'une hésitation aussi hein, par rapport à ça, mais on voit que la finalité c'est quoi? C'est que vous allez vers un mieux-être dans le sens où maintenant vous faites de vous votre priorité. On a une forme de détermination et d'imperturbabilité ici qui se dessine pour 2024 chez vous, amis Gémeaux, comme si rien ne pouvait désormais vous atteindre parce que vous avez pris la décision tranchée, nette, claire et précise d'avancer et de vous éloigner de tout contexte de vie qui soit désagréable, qui soit source de souffrance pour vous. Vous n'acceptez plus ce qu'auparavant vous pouviez accepter de la part d'une personne, de la part d'une relation. Il y a vraiment cette idée de se dire, voilà, j'ai peut-être à un moment donné même se critiquer, se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai été con, par exemple, de laisser telle personne me traiter comme ça, ou qu'est-ce que j'ai été bête de redonner une chance à ce patron alors que pendant des années, il m'a maltraité dans l'entreprise, etc. Vous voyez, là maintenant, il y a vraiment cette idée de se dire, voilà, tu ne m'atteindras plus, tu ne me feras plus de mal, la vie ne me fera plus de mal parce que je me renforce et parce que surtout je refuse de laisser entrer dans mon monde toute situation nocive pour moi. Donc il y a vraiment cette idée de maintenant c'est moi qui compte, maintenant je fais peau neuve, on a ce personnage qui fait clairement peau neuve, et qui est décidé que son passé reste son passé et décidé à avancer. Cette personne ne veut plus entendre parler des blessures qu'elle a eues, d'accord ? Elle ne veut plus entendre parler de ce qui l'a blessé, elle ne veut plus entendre parler potentiellement toute situation dans laquelle elle n'a pas été pleinement épanouie, d'accord ? Cette personne, voilà, elle fait peau neuve et elle se dit maintenant, plus personne ne m'atteindra. Et plus rien ne m'atteindra parce que j'ai pris la décision de m'aimer. On est là-dedans. On est dans cette énergie-là aussi hein, de ce personnage. Regardez ce personnage, il a reçu des coups. Il a reçu des coups, il y a un peu de sang sur son t-shirt, il y a des trous dans son t-shirt. Mais cette personne reste de marbre, elle est imperturbable. En fait, ce par quoi vous êtes passé, ami Gémeaux, vous a forgé un mental d'acier, en fait, a créé chez vous une sorte de détermination à toute épreuve où vous êtes capable maintenant de vous dire moi je m'en fous, j'ai plus peur de rien ni de personne. Maintenant, c'est limite, j'attends qu'une situation similaire se représente et on va voir comment je vais la gérer. Ça sera plus du tout de la même manière. Vous voyez, c'est un petit peu comme si on n'avait plus peur du tout. On n'a plus peur de rien, on est dans cette vaillance. Regardez la posture de ce personnage, regardez surtout la mimique faciale. Je ne sais pas si vous voyez bien la... Regardez, il est limite en train de sourire ce personnage en mode « viens, viens, je t'attends, si tu veux te battre, viens ». C'est en mode limite provocation, vous voyez. On est vraiment là-dedans, c'est-à-dire que vous n'êtes plus vos blessures, elles ne vous définissent plus, mais elles vous ont renforcé pour la suite et maintenant vous avez pleinement confiance en vous et en ce que vous êtes capable de déployer comme énergie, comme ressource pour vous battre ou pour faire face à une situation conflictuelle ou difficile. Et vraiment, on est là-dedans. Alors, durant cette année 2024, il pourrait y avoir ici des déménagements.
Des séparations peut-être de certaines personnes en couple, pourquoi pas. Alors attention, si tout va bien dans votre couple, commencez pas à psychoter, hein, ça va. Ça parle pas à tout le monde, encore une fois. Mais ici, on a tout ce qui est rattaché à la stabilité de la maison, de la famille, du foyer, avec une carte de la séparation, donc comme si on se détachait de ça pour entrer dans une toute nouvelle énergie. Alors on voit que vous allez passer par plusieurs phases, hein, durant cette année 2024, avec peut-être une envie de vous séparer, mais en même temps vous vous demandez si c'est une bonne idée. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Et là, on voit que ce personnage, il prend la décision de mettre son passé au loin pour redémarrer totalement quelque chose d'une manière nouvelle. On a une forme de but à atteindre et c'est comme si ce but était inatteignable si on gardait, si on conservait ce corps plein de blessures, plein de souffrances. On est obligé ici de mettre à distance de soi toute forme de nocivité, toute forme de mauvaise personne, toute forme de situation négative qui viendrait empêcher le bon déroulement du projet et de l'objectif que vous vous êtes fixé, quel que soit cet objectif. Encore une fois, ici on nous parle d'un but à atteindre, d'accord, d'une détermination pour aller justement déjà d'une part se séparer de ce mauvais karma, de cette mauvaise énergie, de tout laisser derrière, de tout bazarder derrière. Et pour moi, il y a un nouveau tempérament qui se dessine hein, durant 2024 où c'est un petit peu comme si vous vous teniez le discours suivant à vous-même en mode on s'est foutu de ma gueule plusieurs fois, bah là ça sera plus pareil quoi. Genre par exemple, je sais pas moi, s'il y a un ex qui est venu plusieurs fois et qu'à chaque fois cette personne vous mentait, vous a maltraité psychologiquement, verbalement, peu importe, et que là vous en arrivez à vous dire, bah attends que cette personne revienne, tu vas voir comment elle va être reçue cette fois-ci. C'est un petit peu ça quoi. Parce que vous n'êtes plus la même personne, vous n'avez plus les mêmes dispositions mentales, vous n'avez plus le même état d'esprit qu'avant, parce qu'il y a quelque chose qui a changé en vous, d'accord? Et ce qui a changé en vous, pour moi, c'est une séparation, surtout par rapport à des illusions. En 2023, on voit ici que vous sortez un petit peu de ce que vous avez nourri comme espérance, mais quelque chose qui peut-être ne s'est jamais réalisé en fait. Il y avait peut-être quelque chose de stable dans votre tête, dans votre pensée en termes de plan de vie. Et c'est comme si, en fait, vous voyez que ça n'a jamais abouti. Et vous vous dites, mais en fait, tout ce que je nourrissais comme croyance, bah, ça n'est pas la réalité. Et en fait, à partir de ce moment-là, vous déployez une sorte de protection sur vous-même. Vous cessez de vous faire des films sur les choses, sur les gens, sur la vie, sur les situations de vie, sur la réalité au sens large. Et vous regardez véritablement le concret tel qu'il est. Et pour affronter ce concret, vous comprenez en fait que la vie vous a fait comprendre que vous devez vous renforcer et que vous devez justement adopter cette attitude de quelqu'un qui n'accepte plus de recevoir des coups, mais à limite qui en donne. Voilà pour le premier tirage. Allez, on va continuer avec l'oracle G, qui lui aussi, je pense, a des choses à nous dire. Amis Gémeaux, on y va. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram aussi, hein, que j'ai créée il y a pas longtemps. C'est sympa, ça fait une autre communauté que sur YouTube. Je partage du contenu développement personnel et psycho, d'accord? Et en plus, quelquefois, du contenu astro. Donc voilà, c'est une page très sympathique. N'hésitez pas à vous abonner. Pour les nouveaux venus sur la chaîne Les Guidances d'Alex, bah, également, j'espère que ces guidances vous parleront. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur YouTube pour recevoir en temps réel mes vidéos dès lors qu'elles sont publiées. D'accord? Allez, on y va. Gémeaux, année 2024. On en a pas mal qui sont sortis là. Bon, on les prend. On les prend, on les prend. Quand il y a de la matière, il y a des messages. On les prend. C'est parti. Bon, on avance ici par rapport peut-être à une déception. Comme je vous l'ai expliqué, on s'était fait des films dans sa tête. Les choses n'avancent pas de la même façon ou ne se sont pas révélées être conformes à l'image que l'on s'en était faite. Il peut s'agir d'une déception par rapport à de l'imaginaire ou peut-être une déception au niveau du cœur, au niveau sentimental avec quelqu'un. On voit dès lors que vous surmontez cette déception et cette tristesse.
Ici, pour moi, il y a vraiment cette idée de se réapprivoiser soi, de réapprivoiser, pardon, l'amour que l'on a pour soi-même après s'être longtemps mis sur le bas-côté, négligé ou déprécié. Il y a vraiment cette idée de maintenant, je fais de moi ma priorité. On voit ici que cette année 2024, vous allez pouvoir justement faire de nouveaux plans. Parce que c'est comme si en fait vos anciens plans n'avaient pas fonctionné, amis Gémeaux. Je sais pas pourquoi ça ressort beaucoup dans ce tirage. C'est comme si on devait revoir un petit peu son plan d'action, son plan de vie, quelle que soit la thématique dont on parle, pour justement orienter les choses d'une autre manière. On voit qu'il y a beaucoup d'hésitation aussi à se lancer dans une nouvelle démarche, dans de nouveaux projets, pour aboutir à un certain résultat équilibré. Et là, en fait, c'est vrai qu'on a le doute, mais on a également la protection, hein, sur vous, d'accord? La protection de l'univers. Alors, par rapport à ces doutes, ces questionnements, ils sont inhérents à votre propre personne, ils ne sont pas inhérents à la situation. C'est pas je doute de est-ce que je déménage ou je déménage pas. Non, c'est je veux déménager, ça c'est sûr, mais est-ce que je vais pouvoir le faire? Est-ce que j'ai les ressources nécessaires? Est-ce que ça va être compliqué au niveau administratif de vendre ma maison? Est-ce que voilà, c'est pas l'idée en question que vous remettez en question, c'est plus vous, votre capacité à faire face. Et là, en fait, tout ce tirage s'oriente sur au début, je pense que je n'ai pas les capacités de faire face, et petit à petit, j'évolue vers une sorte d'amour de moi-même, une sorte de respect de moi-même, une sorte de prise de conscience de la personne que je suis, des valeurs et des ressources dont je dispose pour mettre à bien mon projet. Et ce projet, il se peut que ce projet diffère en fait par rapport à celui que vous aviez mentalisé, imaginé dans votre esprit. Parce qu'ici, on nous parle de quelque chose qui dévie après une déception ou suite à une déception. Pour moi, ici, vous accédez à une sorte de maturation intérieure. Et cette maturation, en fait, vous fait comprendre que peut-être vous n'êtes pas fait pour certaines personnes ou que vous n'êtes pas fait pour certaines choses. Et vous devez, en fait, abandonner vos plans initiaux pour réadapter vos nouveaux plans à la nouvelle personne que vous êtes. Voilà, c'est vraiment le message de cette année 2024. C'est au départ, j'avais des plans, qu'ils se soient matérialisés ou pas. Ils étaient en adéquation avec la personne que j'étais, avec la version de moi-même ancienne, celle qui recevait des coups, celle qui était vulnérable. Là, je deviens une nouvelle personne. Durant cette année 2024, je me renforce. On l'a vu avec cette carte de la révolution tout à l'heure. Par rapport à ce renforcement, je ne suis plus en lien avec les mêmes projets, avec les mêmes plans. Donc, je redéfinis mon plan d'action, mes plans d'avenir, pour justement qu'il s'adapte à la nouvelle personne que je suis. Parce que durant cette année 2024, il se peut que vous compreniez que des plans que vous aviez faits ou ceux qui vous teniez à cœur par rapport, je sais pas moi, à un travail, une relation, un emménagement, une maison, un appartement, un lieu de vie, bah que en fait, soit c'était quelque chose d'illusoire, soit c'était quelque chose qui correspondait avec l'énergie du vous d'avant. Mais du coup, vous n'êtes plus dans cette énergie du vous d'avant, vous êtes dans l'énergie du vous de maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, les plans changent. Donc, il y a des réajustements, il y a des réadaptations par rapport à ce que vous matérialisez dans la matière. Mais pour moi, vraiment, ce qu'il y a à retenir dans cette année 2024, c'est comment vous arrivez à redéfinir la personne que vous êtes. Comment vous comprenez que vous n'êtes pas votre souffrance, vous n'êtes pas vos blessures, vous n'êtes pas vos échecs, quand bien même je déteste ce mot échec, parce que pour moi, l'échec n'existe pas, il n'y a que des expériences de vie. Je comprends même pas cette idée du mot échec. Enfin, pour moi, c'est complètement, c'est zéro, quoi, vraiment. Vous n'êtes pas ces déceptions. Vous êtes, si vous voulez, l'accumulation des expériences de vie que vous avez vécues. Ces expériences vous ont renforcé. C'est la raison pour laquelle, au jour d'aujourd'hui, vous accédez à une pleine puissance de vous-même, à une pleine attention, une pleine revalorisation de vous-même, et vous êtes capable de redéfinir vos plans d'action comme vous le voulez. Donc ici, on a des départs, hein. On a peut-être des départs de lieux de vie, hein, des déménagements, des changements de cap assez importants. Mais on voit que si indécision il y avait, vous sortez de cette indécision parce que les choses deviennent claires. Et si indécision il y avait, c'est parce que indécision il y avait au sujet de vous-même et de votre capacité à faire face. Ok.
Alors mes tirages sont beaucoup orientés développement personnel, hein, plus que prédiction. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur la chaîne. Bon, on continue. On va tirer une carte au niveau sentimental pour avoir un petit peu le conseil 2024 pour vous. C'est parti, mes chers amis. Le conseil 2024. On a... Ah, magnifique. Ok. Cette carte nous dit quoi? Cette carte nous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, ce message, bien sûr, est lié à votre vie amoureuse, sentimentale. Donc, ce message s'adresse à toutes celles et ceux qui pourraient être en train de perdre patience par rapport au fait de faire fonctionner un lien, une relation, les personnes qui attendent quelqu'un, qui attendent que quelqu'un s'engage, qui attendent qu'une relation évolue. Il y a cette idée de faire un effort en termes de patience ici. D'accord? Comprendre que pour arriver à un but, à un objectif, il faut passer certaines étapes, que vous ne pouvez pas passer de A à Z sans passer par B, C, D, E, F. Voilà, il y a cette idée de faire preuve de patience et peut-être même aussi de tolérance par rapport à l'autre, par rapport à la relation, par rapport à ce qui peut être instauré dans la relation. Mais en tout cas, cette année 2024, voilà, on vous dit que par rapport à votre vie amoureuse, vous allez devoir être dans cette optique de faire cet effort. Faire cet effort pour vous impliquer, pour rendre viable et rendre possible une relation et que cette relation puisse prendre vie, mais elle peut prendre vie que si on fait preuve en fait de constance, de patience et de persévérance. C'est ce qu'on nous dit ici. Si vous voulez quelque chose de vrai, en tout cas. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu léger ou éphémère, là c'est autre chose, bien entendu. Là je parle des personnes qui veulent vraiment construire ou qui ont un partenaire ou une partenaire et qui galèrent, qui ne savent pas trop où ils vont avec cette personne. On vous dit faites preuve de patience et faites des efforts, surtout comprenez qu'il y a des étapes qu'il faut passer. Ces étapes, elles peuvent être liées à la situation elle-même. C'est-à-dire qu'on passe pas de ami à peut-être tout de suite je me marie, on passe de ami, puis on flirte, puis on commence à tester une vie ensemble, puis ça se fait par étapes, hein, d'accord? Déjà comprenez cela, et après on peut parler aussi des étapes liées non pas à la situation mais liées à vous-même, c'est-à-dire que vous, peut-être aussi de votre côté, durant cette année 2024, vous avez des choses à travailler. Des choses à travailler qui se règlent au fur et à mesure, les unes par étapes en fait. Peut-être que pour certains, certaines, vous êtes dans la dépendance affective, je ne sais pas. Peut-être que pour d'autres, vous avez des blessures de rejet, des blessures d'abandon, des croyances limitantes par rapport à l'amour. Et tout ça, en fait, ça doit se régler avant de pouvoir parvenir au grand amour, en fait, que vous cherchez. Voilà le message pour vous, mes chers amis. On en arrive à la meilleure partie, ma préférée, la question-réponse. Alors, je vous invite à poser une question. On y va. On pose une question dans sa tête à voix haute, comme vous le souhaitez. C'est parti. C'est parti, on démarre. Et on a la réponse. La réponse à votre question est peu probable. Peu probable. Bon, désolé pour les cartes qui sont un petit peu défoncées. Hein. Ça fait je ne sais pas combien d'années que j'ai ce jeu, mais je trouve ça trop frais parce que tous mes jeux commencent un petit peu à vieillir et à devenir vintage. Et j'adore tout ce qui est vintage, old school. Le neuf ne m'intéresse pas. Peu probable, c'est la réponse à votre question, chers amis. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer sur le déroulement de cette année 2024. Celles et ceux qui souhaiteraient des compléments d'infos par rapport à leur situation personnelle, n'hésitez pas, vous m'écrivez un par mail pour une guidance perso. Je rappelle que mon adresse se situe sous la vidéo. Allez, bye!